Allez, suite de l'aventure, les loulous. Let's go. La jeunesse, on est en train de se balader là, on va se baigner dans la Loire et puis manger des raviolis froids. C'est vraiment l'aventure, moi je vous le dis. Et on va faire la vaisselle aussi, que Thomas est là, hop, comme ça. Parce que du coup hier il n'y avait pas d'eau, donc vu qu'on n'a pas beaucoup d'eau pour eau potable, on va laver dans la Loire. Et puis voilà, petit fifi qui fait caca, petit ravioli froid. Il ne va pas savoir ça, je pense. Ah ouais. Bon, pourtant vous savez du coup. Ouais. Ah bah ça. Party on down the street with Mary Jane, good cocaine, lay it down there again. Donc là on a trouvé la Loire. On va faire petite baignade, petit besoin. Et avant, qu'est-ce qu'on fait? Hop, petite vaisselle. Alors Erwan, c'est quoi le tuto vaisselle un peu là? Bon, ouais, y a pas vraiment de tuto vaisselle. Vu qu'on a rien pour nettoyer, bah c'est galère. Après, petit tuto, tu peux prendre du sable, tu vois, comme ça, un peu dégueulasse, pour faire comme si c'était une éponge, tu vois, comme ça, tu frottes, ça enlève quand c'est un peu crasseux, quoi. Je pense que la technique, c'est qu'il faut bien penser à rincer, parce qu'après, ça croustille quand tu manges, et c'est pas des lol, hein. Et ouais. Alors, ça commence à briller, hein. Waouh. C'est fait, mais. Impressionnant, hein. Ça pollue pas 10 litres d'eau par minute. Ah, ça, tu m'étonnes, hein. Après, t'es malade après. Ça, c'est quoi la terre? C'est la B12, la vitamine qui est bien là? Ouais. Ah, la B12, ça y va là. Hein. Ah, bah là, ça bombarde. Hein. Et ouais. Putain. Casserole. Je dirais pas. 8 minutes à feu doux. On va bien leur montrer. Ah, ça va être al dente plus là. Ça a pas l'air succulent tout ça là? Si. Et ouais. Oh mec, c'est bien chaud et tout. Ah ouais? Mais regarde. Ah ouais. Vraiment? C'était bah une boutade, c'est pas chaud. Pas le droit. Hein. Ah, c'est. C'est l'effet hamac, comme ça ils sont dans le thème. Allez, vendu. Allez, chine. Tout allez, bien. C'est bon. Appétit la street. Bah en vrai, je me régale. J'en vends pas grand chose. Hein. Non. Ouais. Juste, il manque du gruyère fondu, mais c'est pareil. Oh putain, ouais. Du gruyère, ça va. Ouais, c'est vrai que. Mais maintenant, c'est dégueulasse. Putain. Maintenant, je pense qu'au gruyère. C'est bête. Ouais. Hop, petite douche. Oh putain. Oh bâtard, c'est froid. Elle est bien. Pas la Méditerranée. Et le PDC, il va être complexe. Ouh, le PDC, il va être très. Ah, ça me dégoûte. Ah ouais, c'est flex. On s'acclimate un petit peu là. S'acclimate. Le caleçon Star Wars. Ah. C'est miracle, hein. Pour le caleçon. Pour le caleçon. Jusqu'au bout du monde. Ouais, ça commence par Orléans, ça finit par Madagascar. Ouais. Et là avec les copains, on s'enfonce dans la forêt pour trouver le 10e petit campement pour faire dodo. Regardez, hop, dans la forêt comme ça, c'est le bonheur. Aïe, il y a déjà les araignées et les tiques. Eh hey Nicolas, t'as eu combien de tiques aujourd'hui? 2. Carré. 2. 2 tiques. Et voilà. Et là on rentre dans la forêt, direction le 2e campement. Petit conseil pour pas avoir les tiques comme Nico, faut mettre des pantalons avec des chaussettes hautes et rentrer tout dans le pantalon pour pas que ça puisse aller vers la peau. Comme moi, regardez, hop, comme ça. Et non, c'est une blague, je vais avoir plein de tiques demain, ça va être rigolo. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on a posé des affaires dans un endroit stratégique, histoire de pas avoir à se les trimballer pour toujours. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on part en reconnaissance. Donc, Erwan et Nico, ils sont partis en deux directions quasiment opposées. Et moi, je pars dans la troisième direction. Thomas, il est en train de vous expliquer. Je suis parti, moi, vers le sud, je pense, par là. On triangule le périmètre à peu près, qui est pas mal pour le camp, pour voir s'il n'y a pas des petits chemins à côté, des habitations, des repères où il y a plein de sangliers, des petits alliés, là, les chemins où les animaux ils passent, pour pas les faire trop chier. On essaye de voir s'il n'y a pas un petit spot qui est pas mal pour se poser. Cette nuit va pleuvoir vers 7h du mat. Donc on a un peu la flemme. En fait l'idée serait de se mettre tous ensemble, genre les uns au-dessus des autres. Allez, tous. Non bah là l'idée c'est vraiment de trouver deux arbres espacés pile poil, comme je vous ai dit. Voilà, je me répète mais je vous aime. Bisous. Aïe aïe, toujours les petits bisous. Ouais, c'est dans le mauvais sens là. Mais ouais. Bon là du coup je trouve un endroit à peu près fat sa mère. Et j'essaie d'appeler Ron pour lui dire que je l'ai trouvé. Mais je suis sur la messagerie! Péripétie, à donf. Bon, deuxième partie du vlog. Du coup, là, ils sont en train de kiffer. Donc, ça, c'est cool. Ils sont derrière là. Là, je vais leur montrer. Et ça fait plaisir. C'est pour toi.
Oh, par contre, là, je me suis pris une araignée. Plaisir, ça. Plaisir. Est-ce que sur ma tête? Non, tout bien. Wesh la street! On a fait la meilleure installation possible! Get it! La petite tente. Enfin, la tarpe, comme disent les jeunes. Hop. Avec la tarpe. Trois petits hamacs. Normal. Tout tendu, tout bien. Là, c'est colonie de vacances. C'est mieux que d'aller superposer là. Ah, mais. Ah, c'est vraiment. Ah, c'est les vacances. Ah, c'est les copains. Ah, là, c'est... c'est rigolo. Hein. Ouais. Ça va être trop bien cette nuit. Ah, ouais. Ah, il y a le petit camp là pour faire le feu. Franchement, c'est des plans de transition là. Exact. Pas des petites musiques un peu. Genre là, ma propreté, mec, je m'en bats la race. Après, dans la vie de tous les jours aussi. C'est ça, pareil. Non, mais parce que là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une blague. Calme. Alors là, c'est la vraie vie, ça. C'est fou la lumière que ça fait. Ouais, mec, là, mec, c'est tout... il fait comme s'il faisait jour là. On voit toutes les affaires et tout, gros. Bon, mec, tout derrière, avant, on voyait, là, on voit plus rien. Ouais. Je calme comme une princesse. C'est pareil, mon téléphone. Non, vas-y, j'aime bien qu'on va de loin. Un petit boulot de barbecue. Cassoulet des chefs. C'est pas si mal de pas voir ce qu'on mange. Ouais, c'est vrai. Super nickel. Mmh. Petite recette de chef Michel, ça. Plus William Sorin là, mais c'est pareil, c'est le chef. Comment les conserves, c'est sous-côté. Mmh. Pas de gâchis. Allez, go. Parce que là, mec, on est en... Bonne nuit, Nico. Bonne nuit, Toto. Bonne nuit, Erwan. Le campement, il est derrière, vous voyez là un peu.
C'est le troisième jour, on s'est réveillé, on est un petit fatigué. Mais on est déter, il est genre 13h, mais donc on a bien dormi, je peux pas vous mentir. Ça fait plaisir. Là on est en train de chercher du bois, faire du feu. Parce que j'en avais fait une autre vidéo avec Toto où on faisait des petites techniques de feu là pour survivre dans la nature. Et on n'a jamais réussi à faire du feu sans rien. Du coup là on cherche des morceaux de bois et tout pour essayer, en faisant de la friction et tout, genre d'allumer un feu. Petite activité du matin, tu connais, et puis après on va rentrer tranquillement à la maison. Et on avait mis la tarte, mais du coup il a pas plu, donc ça a servi à rien. Mais c'était stylé, c'était pour tester. Maintenant on sait. Là c'est le jour 3. Il y a Toto et Erwan qui essayent de faire du feu. Mais sans griquet, t'as capté. En mode Cro-Magnon un peu. Sans la fumée un peu, peut-être c'est l'essence juste. Hein. Ouais. Mais t'inquiète. Bien calme, Toto. Je sais pas ce que je suis focus, moi. T'es focus ? Ah putain, mes bras. Ah ouais. Ça. Je prends le coup de bateau, bon. Et puis la mort. Pour le moment, c'est conclu en moyen. On va voir si ça a dit quelque chose parce que. Ouais. Slow down, mama. Why you talk so mean? Good Lord. Ah, Toto, le feu ça dit bien. Hein. Ça fait le petit bruit. Ouais. Parce que ça. Ouais. Ah ouais, c'est pour les abonnés un peu ça. Hein. Normal. Pour les. Eh, lâchez un pouce bleu. Lâchez un pouce bleu pour les Bibi. Pouce bleu pour les Bibi. Get back, get on track, jump on, grab this thing, double down.